Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Hyper longtemps. Là, j'ai trouvé un peu de temps. Heureusement. Mais longtemps, pas de vidéo en français. Mais il y a quelques raisons, je vais en parler. Quand je fais des vidéos en français, en général, je parle. Bah ouais. Je parle. Donc là, j'improvise. Surtout, j'ai aucune idée, j'ai pas de plan, j'ai pas de script. J'improvise dans le début. Tout d'abord, je sais pas, parlons de... Je sais pas si ça vous intéresse tous, donc je vais pas en parler beaucoup. Mais il y a l'Euro qui arrive bientôt en juin et juillet. Il y a aussi les Jeux Olympiques qui arrivent en France. J'entends dire qu'il y a plein de gens, beaucoup de monde qui va en France et que même les hôtels à Paris deviennent 1000 euros par nuit. C'est la folie. C'est ce que j'entends dire. Ça pourrait être faux. Vous pouvez me dire. Mais ouais, je vais surtout parler de l'Euro parce que les Jeux Olympiques, je vais pas vraiment y regarder. Pas très intéressé, on va dire. Mais l'Euro, la France avec Mbappé, les autres joueurs, ils ont une très bonne chance de la gagner. Je pense que c'est soit la France, soit l'Angleterre. Ils sont tous les deux, les joueurs de ces équipes sont en très bonne forme. Et donc, que ce soit la France, soit l'Angleterre. L'Euro. Je suis pas très sûr dans quel pays ça se passe. J'imagine un pays européen. Européenne. Donc voilà, un peu. Comment dire? Content que ça va venir, ouais. Mais sinon, là maintenant, je suis en vacances d'hiver. Donc j'ai un peu gâté, j'ai un mois de vacances. Mais juste avant les vacances, de début décembre, j'avais des finaux d'université, de collège. Je sais pas comment ça s'appelle en France. Ici aux États-Unis, ça s'appelle l'université. Je pense qu'en France, ça s'appelle le collège. Pas sûr. Il y a eu des finaux, des grands tests pour chaque matière. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de temps pour créer des vidéos, mais aussi ouais, plein de matières électroniques, mathématiques, la physique, l'ingénierie, plein d'autres choses, les cours d'histoire, il y en a, c'était vraiment, j'ai pas aimé cette cour parce que la prof elle voulait chaque détail. Si tu manquais un détail, s'il te manquait un détail, tu perds plein de points. Et c'était hallucinant. C'est cours d'histoire des États-Unis, donc ça vous allez pas y comprendre, je pense. Mais elle voulait chaque détail. Mais sinon, les autres, c'était pas trop mal se passer, tu vois. Mais tu vois, j'ai pas eu beaucoup de temps. En plus, là, je suis revenu à la maison. Avant, j'étais dans mon appart à côté d'université. Et là-bas, j'ai des colocateurs. Ouais, des colocateurs. Donc, c'est un peu plus dur de filmer quand t'as des autres tours qui font des bruits, qui se couchent pas à l'heure et plein d'autres choses comme ça, tu vois. Là, à la maison, j'ai un peu plus d'opportunités de faire ça. Et donc, pendant ces vacances, j'essaie de filmer plein de vidéos. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais voilà, c'est un peu des nouvelles. Il y a eu Noël, joyeux Noël. J'espère que vous avez tous eu des bons cadeaux. Moi, j'étais un peu gâté, on va dire. Aussi, joyeux Nouvel An. Je pense pas que ça se dit comme ça en français.
si vous avez des résolutions. C'est pas un mot en français, ça. C'est un mot en anglais. Des résolutions. Peut-être vous comprenez. Je pense qu'il y a un autre mot en français. Mais si vous en avez, et si vous comprenez ce que c'est, vas-y, mettez-les dans les commentaires. Parce que, juste pour voir, après, je vais revenir et voir si vous demandez si vous avez vraiment fait. Mais t'inquiète pas. Ouais. Moi, je n'avais pas vraiment beaucoup de résolutions. En général, les gens, ils disent, oh, je vais être plus fort, je veux aller à la gym, je veux perdre du poids ou d'autres choses comme ça. Mais moi, ça, je suis déjà en train de faire toutes ces choses-là. Je vais à la gym. Je suis pas très lourd. Donc, j'ai pas besoin de perdre du poids. J'essaie de gagner du poids, en fait, de gagner des muscles. Pas du... Ouais. Moi, la seule que j'avais, c'est à propos de cette Chanel. J'ai envie de mettre un peu plus de temps que l'année dernière dans cette Chanel. Mieux avoir un meilleur setup. J'ai dépensé un peu plus d'argent dedans, plus de temps, argent. Augmenter les abonnements, mais c'est pas à moi de décider ça. mais mettre plus de temps, essentiellement. Voilà. Sinon, c'est la mienne, ça, si vous en avez. Très bien. Je réfléchis à la prochaine. C'est la j'allais dire la galette de roi, mais c'est le gâteau, c'est la fête, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais la vraie, la galette de roi, avec la fève et tout, ça va être bon ça. Mais sinon, ah oui, en plus, comme ce mois-ci, pendant les vacances, j'ai pas beaucoup de travail, parce que je travaille aussi. En plus de l'école, je fais un petit travail qui gagne un minimum, tu sais, juste pour pouvoir acheter des petites choses. Le beurre sur le pain, comme on dit. Ou le beurre sur le pain. Ouais, je pense qu'il y a une autre expression, mais j'ai oublié. Mais donc, comme j'ai pas beaucoup de travail ce mois-ci, pour mettre un peu plus de temps dans la Chanel. C'est un peu bizarre à dire, mais ouais. Ça va être bien. Donc, pas d'école. Ouais. Mon professeur de chimie qui m'envoie déjà du travail avant le prochain semestre, mais c'est... il va falloir la faire. J'ai aussi peut-être une nouvelle, ça, mais à mon école, il y a un club qui s'appelle FSAE. Essentiellement, c'est l'équipe Formule 1 de l'université. Et j'y participe. J'essaie d'aider le plus que je peux. En fait, demain, je dois aller aider, faire quelque chose. Mais, tu vois, je dois mettre un peu de temps là-dedans. C'est juste pour que, je sais pas, juste des petits updates de la vie. Mais chaque école, je pense que même en France, il y a des écoles et des universités qui ont des équipes qui créent des formules, des voitures. Ça s'appelle les Formule 1, mais c'est des voitures. Et ils vont en compétition avec d'autres écoles, soit dans le pays, soit international, je suis pas très sûr. Mais c'est très intéressant. Je participe, surtout là maintenant je cherche un degré en mécanique, donc ouais, ça aide à apprendre et tout ça, faire du SolidWorks et tout ça. En fait, SolidWorks, ça vient d'une compagnie française, Dassault Systèmes, ouais, compagnie française, c'est trop bien, trop bien. Bon, ouais, un peu de Formule 1, un peu de Formule 1, cette chaîne, la gym,
la gym, ça prend presque 2 heures par jour. Ça me demande du temps. À propos de dormir aussi. À propos de dormir. Je suis désolé, mais là, je dois dormir. Il est presque 1 heure du matin. Je vous donne des bonnes nuits. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est un peu courte, mais peut-être la prochaine, je vais faire un roleplay. Je sais pas, coiffeur, masseur. Je suis pas sûr. Dentiste.